pouvait arriver un événement dans lequel vous allez vous retrouver dans le noirceur. Si vous avez toujours pris l'habitude de regarder ce que vous faites, ça ira pas. Restez là. OK, quand je vais dire go, vous avez 8 minutes. 3, 2, 1, c'est parti! Demain, on va se retrouver sur un brise-glace dans le hangar de l'hélicoptère. Et il s'est produit une explosion. Tous les spécialistes sauvetage qui vont être présents là ne s'attendent pas du tout à ça. Ils s'attendent à une pratique dans une salle mécanique, de façon banale. Et là, il va y avoir un appel général qui va être fait comme quoi qu'il y a un incident majeur qui vient de survenir au niveau du hangar à l'hélicoptère. Et tous les spécialistes sauvetage vont être appelés à se rendre sur les lieux. Attention! Tous les spécialistes en sauvetage sont demandés au pont d'envol immédiatement. Rendu sur les lieux, ils devraient voir un effet de fumée, avec un effet d'explosion avec les alarmes qui sonnent, avec le bruit à l'intérieur. Donc, ils devraient à ce moment-là être pris un petit peu au désarroi. L'objectif, c'est de leur créer un stress suffisant pour voir si leur mémoire motrice va prendre le dessus puis vont être capables d'appliquer les techniques. C'est vraiment un exercice de fin de parcours, du fin de cours, qui va vraiment les mettre à l'épreuve au niveau de leur capacité à s'adapter à un stress.